Il est ouvert, mais il est presque toujours ouvert. Ils habitent là presque tout au long de l'année. Et le bâtiment rose, lit de vin, vous avez sur la gauche, c'est les anciens chais. Parce que maintenant, ils ont des chais très très modernes qui se trouvent sous les vignes, là, sur la gauche.